Voilà, bonjour tout le monde. Alors, voilà. C'est l'accident. On va vous raconter mon accident et puis. Alors, comment ça a été ton accident? Son accident, c'était un peu Tanguy. Tanguy, meilleur youtubeur de France. Compositeur, écrivain, chanteur. Et Benz. Chanteur, écrivain, compositeur. Bah, voilà, je vais vous raconter l'accident, la vraie version des vérités de, de l'accident. La vraie version de l'accident. On est parti ensemble, on est rentré de l'école, tu vois, on a fini l'école à 15h. C'était un vendredi, on a fini à 16h. Et on est rentré ensemble. Je dis, c'est bizarre. Je demande à Tanguy, Tanguy, tu veux pas en rentrer ensemble? Je te paye quelque chose en retour. Il dit, vas-y. On est parti ensemble jusqu'à. Jusqu'à être devant une lapide à des Rias, je crois que c'était. C'est où ça? C'est où? Devant une pizzeria, il y avait une pizzeria et tout ça. Une épicerie. Voilà. Et moi, je suis rentré dans le magasin. Je demande à Tanguy, attends-moi. J'ai dit, attends-moi. Je savais pas, il était pressé. Il me dit, ouais, je suis pressé, j'ai envie de rentrer. J'ai dit, d'accord, rentre. Mais attends, je te paye ta boisson. Et après. Après, quand je suis retourné, je le vois même plus. Et je vois là une personne qui est par terre de la route. Après, je vois, c'est Tanguy. Je dis, c'est bizarre. Là, Tanguy, il tombe. Je m'inquiète pour lui. J'appelle sa mère, j'appelle son père. Je cours vite pour sonner son père, sa mère. Et au bout de trois fois, je suis revenu. Et bah, explique aussi. Et puis après, voilà, les pompiers, après, ils m'ont emmené à l'hôpital. Moi, j'ai appelé les pompiers. Ils m'ont emmené à l'hôpital de Necker. Ils m'ont opéré. Ils ont dit, ouais, il a des chances, il peut pas marcher. Ouais, il avait une entorse. Et puis après. J'ai été quelques jours à l'hôpital de Necker et après ils m'ont mis à l'hôpital de Saint-Maurice. Voilà. J'ai resté au moins deux mois. Ouais, deux mois. Après, on a rendu visite, tu vois. Comme on est ses amis, on a fait une petite vidéo avec. Moi, j'ai fait une vidéo avec mon portable. J'avais pas le droit à sortir mon portable à l'école. Mais comme j'ai dit, vas-y, on fait une petite vidéo pour lui, le pauvre, il est à l'hôpital. On pense à lui, on a dit, vas-y, on va le faire une petite vidéo. T'as pas pleuré, Tanguy? À un moment, on pleurait pas. Mais moi, quand je rentre à l'hôpital Saint-Maurice, je vois beaucoup de jeunes à l'hôpital, ils sont blessés. Ils ont pas de jambes, j'étais en larmes. Tanguy me voyait, j'étais en larmes. Je l'ai pas montré à lui parce qu'il me posait la question, pourquoi tu pleures? Je l'ai dit à Tanguy, je l'ai dit honnêtement, tu vois, je pleure. Mets-moi à l'écart, s'il te plaît. Je l'ai parlé avec lui, je lui ai dit, viens, on se met à l'écart ensemble. Vous n'avez pas pleuré? Moi, j'ai pleuré beaucoup. J'ai dit, moi, j'ai pas pleuré. Pardon. Moi, j'ai pleuré, je l'avoue, j'avais pas le choix. J'étais content, voilà. T'as pas pleuré, moi? Non. Ouais, après, une fois qu'ils étaient arrivés à l'hôpital, à Saint-Maurice, j'étais content, moi. On a joué à la play, on a joué à FIFA. J'ai joué à FIFA. Quand t'étais blessé. PlayStation 3, voilà. On a joué à FIFA, mais il a un mauvais joueur à FIFA. N'est-ce pas, Tanguy? Mauvais joueur. J'ai dit, vas-y, on lance affrontement 8. Je savais pas. Le mec, je vois une première console, je dis, est-ce qu'il a des. Il connaissait tous par cœur? Je dis, vas-y. On a fait une partie. Ouais. Je l'ai mis 5-0 à l'aller. Après le retour, il m'a battu. Battu un miracle. Je sais pas comment on m'a battu. Moi, j'étais pas bien. J'étais triste. J'étais en pleurs. Ouais, j'étais triste. Le mec, ouais, je pleure. Le mec, il joue à la console. Il cliche. Après Saint-Maurice, Il est revenu. Je suis revenu à la maison. À la maison. Et après, le Pelletier l'a appelé pour préparer mon retour. Ton retour? C'est moi qui t'ai accueilli. C'est difficile. Il n'arrive pas à manger. Au début, quand.
je retourne après le Mpédétiel, j'arrive voilà, avec le Sani, j'avais les béquilles encore. Et ouais, c'est moi qui le marché. Ouais, c'était un peu difficile pour le monter les béquilles. Je l'ai aidé à porter, tu vois, c'était pas difficile, c'était ouais, j'arrivais à monter. Et des fois je prenais l'ascenseur. Voilà. Ouais, l'ascenseur parce que tu avais droit avec un adulte. Ouais. C'est comme après pour manger, c'est difficile pour lui donner à manger. Non, c'est moi qui... Je mangeais pas. Il mangeait pas, le garçon, j'ai pas compris. Pourquoi tu manges pas? Je te sers à boire, le mec il boit pas. Bon, je dis vas-y, il va boire. Mais tu parlais même pas avec la langue et tout. Ouais, tu parlais même pas. On parlait avec la langue de signes, moi je comprenais direct la langue de signes. On comprenait pas, nous. Moi je comprenais la langue de signes. La seringue, je bouvais. Le mec, je le bois avec sa seringue, il m'arrache, il me donne la seringue, il me la balance à l'aimant. Bon. Et tu parlais pas. Là après, je me demandais pourquoi et tout. Dit, ouais, c'est pourquoi. Oh, tu parlais pas en fait, dis-nous pourquoi. Ah. Là, pourquoi. Je l'avoue, on va faire une vidéo. Dis-nous pourquoi tu ne parlais pas, pourquoi dis-nous. Dis-nous pourquoi. Dis la vérité. Nous, on voudrait savoir. Bah, je sais pas, ouais. T'avais un blocage, peut-être, non? Ouais. Peut-être. Non, il avait pas blocage. Le blocage, mais. Ouais. On sait pas. Il n'était pas. Je sais pas. Ouais. La chambre de YouTube, c'est pas prêt. Bref. Nous, on est content de te voir et j'espère ouais. qu'on. Ça fait longtemps que t'es pas vu. Pas vu, parce qu'on a 2018. Ça, c'est un gros mytho. Ça, à revoir. T'es parti quand, toi? À revoir, je suis peut-être le parti quand, toi? Moi, je suis parti en avril 2018. Voilà. À quelle heure t'es parti de B? Je sais pas, je suis parti à samedi. Donc après, voilà, je suis parti en même temps que Joseph. Et du coup, lui t'accompagne? Non, il était encore. Il était pas encore déménagé. Quand il m'a appelé, il m'a dit: ouais, je vais déménager. Je vais déménager où? Le mec, je coupe un portable. Je coupe son numéro, je dis: vas-y, c'est bizarre. Il a déménagé à Jeunesse-au-Bois. Là, il a dit: je vais déménager. Voilà, bon, j'étais à Bois-Coulonges et après j'ai déménagé à Saint-Geneviève-des-Bois. Voilà. Bon, voilà, c'est la fin de la vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez, allez, bye.